Thomas! Thomas! Qu'est-ce qu'il y a? La nuit dernière, ça a drôlement bardé sur les quais. Règlement de compte, deux morts d'un côté et de l'autre. L'un des trois était le borgne. Ce type était de la bande du Marseillais? Oui, il a même dit avant de mourir que le Marseillais est en Italie. Madame également très élégant. Seule Annabella offre une telle gamme de manteaux de qualité dans toutes les tailles. Quelle douceur, n'est-ce pas? Voulez-vous avoir la gentillesse de le passer, s'il vous plaît? Mais certainement. Il me plaît, je vais le prendre. Sacrifice, quand on doit du matin au soir faire la chasse à tous les criminels. Et à mon âge. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Je dis que ce soir, je ne dînerai pas au restaurant. Alors, si vous voulez me faire plaisir, sans priver malgré tous les autres, évidemment, ben, mettez-moi de côté une bonne portion de flageolets. Hein? Mais sans lardons, s'il vous plaît, c'est trop indigeste. Que des flageolets. Les lardons, je me les mange à part. Celui-ci. Vous aimez réellement les contes de fées? Oui, dans celui que je lis en ce moment, la princesse est massacrée par des bandits. C'est abominable. Ce n'est pas un conte de fées, mais la chronique des chiens écrasés. Malheureusement. Mais qu'est-ce qui leur arrive à ces bandits? Je ne sais pas. Pas du tout. J'en suis qu'au début. Je vous dois 12,80, monsieur. La radio, ils arrivent. Et en marche. Je sais ce que je fais, je m'y connais mieux que toi, Petrosino. S'ils ne gagnent pas la rencontre de ce soir... Avec des si, naturellement. Ils pourront jamais aller en finale. Ah, ben ça, c'est toi qui... Aujourd'hui, le jeu moderne, c'est technique, scientifique. C'est quand même du foot. J'ai pas raison, chef. Si, si, naturellement, mais regardez devant vous, ça vaudra mieux. Question de prudence. Regardez, un camion de prise de vue. Et attention! Oh, l'enfoiré! Je vais leur flanquer une contravention. Quel acteur, ce type, chapeau, hein, on jurerait qu'il est mort pour de bon. Non, non, pas celle-là, connard! La mallette! Envoie la mallette! Mmh.
vas-y. Du calme. Maintenant, on peut respirer. Respirer? Mais tu sais combien ça coûte de passer un poulet à la casserole? Mon almago, c'est ce qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est le beau merdier où tu nous as mis, ouais. Il a raison, Hugo. Comment le magot? Et quel magot? Y'a que ça qui compte. Tourne à gauche. Maintenant, à droite. Et toutes les voitures du 4e secteur, rendez-vous place Castello immédiatement. Un transport de fonds a été attaqué par 4 individus qui se sont enfuis leur coup fait à bord d'une Alfa Romeo 1750 de couleur bleue en direction de l'avenue Carioli. Attention, ils sont armés. Envoyez d'urgence une ambulance et un médecin place Castello. Fais comme si t'allais au stade, tout tranquillement. Il part tout seul, là, comme ça. T'as confiance, toi? Bah oui, il a raison, Serbien. Tu peux se tirer avec tout le fric qu'il y a dans le sac. Il risque rien. T'as pas envie de finir comme le flic. Ici le brancard. Pas mal comme trouvaille, hein, commissaire. Il faut avouer que c'est truand d'imagination. Ah, tout le monde a cru qu'il tournait vraiment un film jusqu'à ce qu'ils aient ouvert le feu. Après, c'était trop tard. Qui a été tué? C'est le brigadier Petrosin, le commissaire. Quel est le montant du vol, approximativement? Oh, je ne sais pas, on parle de 210, 220 millions environ, commissaire, d'après les premières estimations. Mais ça ne va pas, Ravani. Vous êtes devenu bec tout à coup? Oui. Non. Mais ces choses-là, ça me retourne. Des millions qui s'envolent comme ça en moins de deux, mais ils n'ont pris que le liquide. Ils étaient bien renseignés. Ils ont laissé un sac rempli de lettres de crédit, de change, de chèques, mandats, et puis... Et puis quoi? La Vélie. Salut, la Vélie. Alors, vous marchez au radar? 9 mm. Armement de guerre. Ça provient sans doute d'un pistolet mitrailleur. Le brigadier a pris toute la rafale. Permettez, commissaire, je voudrais m'occuper de l'enquête. En quel honneur, voulez-vous me le dire? N'oubliez pas que cette affaire ne concerne que la brigade criminelle section homicide, c'est-à-dire mon service et lui seul. Lavelle, n'allez pas inventer d'astuces de votre cru. J'ai déjà bien assez de difficultés comme cela. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas vous mêler de tout ça sans autorisation, même en tant qu'agent d'interpol. Sinon quoi? Sinon rien. Mais vous perdrez un ami, Lavelle. Or, vous n'en avez pas trop, déjà. Vous ne voulez pas la douille? Non, j'en ai déjà une. C'est terrible de toujours vivre avec cette idée fixe. Eh oui. Ah, ça me rend malade de le voir comme ça. Je ferais n'importe quoi pour lui venir en aide. Mais que peut-on faire pour un homme qui a tout perdu?
Sa femme est morte depuis au moins 5 ans, non? 5 ans, oui. Bon, allez au boulot maintenant. Hein. Oui, oui, on y va. Les photos des empreintes, le calibre exact des projectiles, distance du point de tir au point d'impact, etc. Oui, d'accord. Moi, je viendrai vous chercher. Au revoir. J'ai entendu. Merci. Ah non, non, je n'ai pas le temps maintenant, Barton. Si c'est pour votre permis, on s'en occupera le mois prochain. Monsieur le procureur Speroni vous demande. C'est lui qui est de service ce matin. Il vous attend dans son bureau, commissaire. Ne nous manquez plus que le nouveau substitut sur cette affaire. Alors ça, c'est le bouquet. Commissaire. Quoi encore? L'inspecteur Lavelli a téléphoné. Il m'a dit de vous remettre ceci. Maître, vous pouvez disposer. Ne perds pas de temps, Lavelli. Mais il n'est pas causant, seulement il agit, hein. Qu'est-ce que c'est? La liste des différentes sociétés qui ont signalé un vol de matériel cinématographique dans les 2 derniers mois. Bravo. Au boulot. Voilà. Parfait. Après vous. Nous voilà. On a fait vite, hein. C'est toi qui le dis, mais il y a déjà un bon bout de temps, Blondinette, que le conseil d'administration t'attend. On aurait été encore plus vite avec la voiture que je voulais, mon chou. C'est un vrai beau, la mienne. Alors? Tout s'est passé sans histoire? Oui, très bien. Bon, on va compter maintenant. Vous verrez que je ne me suis pas trompé d'un rond. Il y a exactement la somme qui est portée chaque mois à l'agence 17. Et le pognon, ça vaut toutes les fesses de la Terre, hein, le cerveau? Pauvre con. Tu n'as pas encore compris qu'il n'y a que le sexe sur Terre? Moi, je donnerais tout ça pour être aimé par une femme. Ah. Regardez. Regardez-moi ça. On est plein aux as. Bon, il y a en tout 212 briques en billets, puis 130 tickets en ferraille. Hein, c'est plutôt joli. Ça sent bon, l'oseille. C'est pas mal, mais c'est pas le record du casse. Quand il a attaqué un fourgon postal, Staline a piqué 300 000 roubles. Et ça représente 600 millions d'aujourd'hui. Staline? Oui, dans la ville de Tiflis, en Géorgie. Et quand ça? La chose s'est passée le 12 juin 1907. Hein? Hé, là, vous n'allez pas recommencer. On va pas parler politique, non? Mais parlons de femmes, c'est plus intéressant. Oh, oui, il a raison, mon chou. Raconte-leur l'histoire de la Suédoise qui voulait à toute force te flotter dans le train. Va faire du café. Oh, ça sent vachement le sapin, Mario. T'es intelligent, toi. Qu'est-ce qu'on fait à présent? On reste en notre planque, bien tranquillement. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pétards. Et pourquoi? T'as peur qu'on ne le retrouve pas ici, ça risque pas. Et le passeur que tu connais, il nous attend là-bas, oui ou non? Alors quoi? Avec tout notre fric, on peut enfin la faire, cette croisière pour Rupin. Minute. D'abord, faut faire le partage. Si jamais ça tournait mal, chacun de nous pourrait se tirer de son côté avec ses munitions. Et voilà, l'affaire est dans le sac, hein. On raisonnait tous comme des débutants. Non, tu permets pas moi, hein. Parce que la caisse du ciné, le Serbia à Dubrovnik, qui c'est qui l'a chouravé, hein? C'est moi tout seul. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est depuis ce jour-là qu'on m'a surnommé Serbia. Il y a en gros 212 millions, hein. Là-dessus, 12 sont retirés, ils reviennent au cerveau. Pourquoi ça? Tu poses des questions, idiote. Complètement idiote. C'est moi, Coco, qui était employé dans cette banque. Moi encore qui vous ai rencardé pour faire le hold-up. Parce que sans moi, il n'y en a pas un parmi vous tous qui aurait pu se piquer seulement de quoi se payer un café. 200 briques à diviser en 5 parts. Et puis il y a Martin. Quoi, parce que ton pote veut une part pour lui et une pour la blondinette? Je m'appelle Martin. Martin Hayworth. Et je marche avec le Marseillais. Quand on a parlé du butin entre nous, avant le coup, on a décidé... C'est moi qui ai décidé, c'est personne d'autre. Tu commences à me courir sur le haricot, ça va. Calme-toi, vous n'allez pas vous battre tout de même pas. Vous voyez ça un peu d'ici, il manquerait vraiment plus que ça.
Comme il a dit tout à l'heure, partageons d'abord le butin. Si ça tourne mal, on se sépare et chacun se débrouille. Si on divise en 5, ça fait 40 briques chacun, d'accord? Lavelli, n'est-ce pas ce jeune inspecteur qui avait été muté après le meurtre des frères Caradori? Oui, oui, lui-même. Une journée maudite. Ensuite, oui, Lavelli a été affecté à l'étranger à notre section d'Interpol, mais il nous est revenu exactement tel qu'il était. Il est resté le brave garçon qu'il a tout gâté. Un personnage très désagréable. Vous vous souvenez sûrement de l'affaire Malheur. Oh, si je me souviens. Et comment? Bien, avec l'inspecteur Lavelli, la marchandise est expédiée directement à la morgue. Il ne fait pas honneur à la police. Oui. Ça n'est tout de même pas donné à tout le monde d'avoir un flair comme le sien. Ce n'est pas son flair qui est en cause, mais l'inconscience, ou plutôt l'inconscience de son devoir. Un officier de police digne de ce nom ne traîne pas tout le temps vêtu comme un hippie et se montre en tout cas discipliné. Vous avez raison, peut-être il est certain que Lavelli ne respecte pas toujours la forme. Mais d'un autre côté, il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'être un rond de cuir. Je ne veux pas l'avoir dans mes jambes, c'est tout. Ah, si vous voulez l'écarter de cette affaire, essayez de... Brigadier, Interpol n'est pas concerné par ce hold-up et Lavelli n'a donc pas de pouvoir officiel. Ah, mais qu'est-ce que le pouvoir officiel vient faire là-dedans? Mais comment, hein, expliquez-vous. Quand le malheur veut que votre femme se fasse tuer... Comment? Elle s'est arrivée à Marseille, sa femme a été tuée il y a 5 ans par des bandits qui fuyaient en auto. Il paraît que le chef du gang d'aujourd'hui sait beaucoup de choses sur cette fusillade de Marseille. Hein? Mourir si jeune... Il y avait juste un an qu'il s'était marié. Oh, je ne savais pas cela. S'il n'y avait que ça que vous ne sachiez pas... Le brigadier excusez-moi, il y a tant de choses qu'on ignore, je veux dire. Puis quand on les apprend, après on se dit, ah, si j'avais su ça plus tôt, sapristi. Bonjour, bonjour, on peut entrer? 3 500 de l'heure. C'est donné, dites donc. Mais vos leçons, moi, j'en veux pas, merci. Qu'est-ce que vous voulez faire, alors? De rien, je passais, je suis monté, voilà, c'est tout. Ah oui? Il est là, le patron? Le patron? Oui. Vous aussi, vous êtes à Interpol, Ravagne? Ah, non, hélas. Merci. Merci. Non, non, pas moi. Et puis, de toute manière, dans 8 mois, 3 jours et 11 heures, je ne ferai plus du tout partie de la police, chère mademoiselle. Je pars en train. Ah? Oui, trop heureux de pouvoir parvenir jusque-là. Quoi qu'il en soit, jusqu'à ma mort, le patron demeurera le patron. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toute la brigade, vous savez. Je peux vous offrir quelque chose? Volontiers, je ne refuse jamais, même dans le service. Ah, parce que vous êtes en service? Mon Dieu, oui, dans un certain sens. J'aurais mieux aimé, bien sûr, que ce soit... Mais j'ai pensé qu'à cause de l'affaire du hold-up, l'attaque des convoyeurs de fond, là, j'ai pensé que je ferais peut-être bien d'avoir un petit entretien avec le grand patron. Une petite idée comme ça. Est-ce que mon beau-frère s'occupe personnellement de cette affaire? Non, non, c'est notre département, à nous, qui en est chargé. Seulement, voyez-vous, quand nous sommes arrivés sur les lieux, le patron nous avait doublé. Votre beau-frère, je veux dire, il était déjà là. Oui, oui, alors je ne l'ai pas quitté du regard un instant. Lavelli a le don de savoir où il faut mettre les pieds. Et en restant à côté de lui, je ne pouvais qu'en tirer profit. Pourquoi n'attendez-vous pas la retraite tranquillement dans votre service? Après tout, vous n'avez que 8 mois encore à faire, non? Plus 3 jours et 11 heures. Cependant, il vaut mieux essayer de monter en grade avant d'aller en retraite, non? Si. Si je suis aux côtés du patron, chère mademoiselle, j'aurai peut-être à le protéger, qui sait? Ne croyez-vous pas qu'il a besoin de quelqu'un qui le protège? Si, je dois vous donner raison. C'est toujours bon d'avoir un ami. Bien sûr. Eh bien, à votre réussite, commissaire. Santé. Arrête-toi donc de fumer si ça te fait du mal. Comment vont les 4 pensionnaires? Pour l'instant, bien. Sauf qu'ils font dans leur froc. Ils tiendront le coup, tu crois? Et quand tout sera fini, encore
connais un qui respirera mieux, je te le dis, moi. Est-ce que t'es sûr de ton passeur? S'il a dit qu'il m'attendrait, c'est qu'il m'attendra. Et le cerveau, t'as confiance en lui? J'ai jamais confiance en personne. Est-il aussi un type bien? Il lit tout le temps et puis des gros bouquins. Il est très gentil, il est intelligent. Moi, je le trouve bien, ce garçon. Il n'y a aucun mal à ça. Est-ce que tu serais jaloux, chérie? Il m'a dit qu'il voulait fonder un journal avec ce qu'il toucherait. Un journal d'opinion qu'il donnerait à un parti politique. Hein? Il est fou ou idiot? Ça sert à mieux vivre, l'argent. Je suis sûre qu'on saura en profiter tous les deux, hein? J'espère. C'est à cause du flic que tu te fais du mauvais sang? Quand on dégomme un dealer, la température des poulets monte au-dessus de 40. Et ils deviennent enragés. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'avancer mon départ dans ce cas? Tu crois pas? Peut-être. Tiens-toi prête à partir. Tu as les clés du chalet? Oui. T'es sûr de pouvoir t'en tirer? Je t'avouerai que moi je m'en fais pour toi à cause d'Hugo et de Serbia. Tu ne quitteras pas le chalet sous aucun prétexte et tu n'ouvres à personne. Et ne t'éloigne surtout pas du téléphone. Compris? Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu m'arrêtes? Pourquoi, hein? On peut plus jouer aux cartes maintenant, mais... Qu'est-ce que c'est que cette invention? Les jeux de cartes n'ont jamais été interdits. Je vous en apporterai un en cellule demain. Remarquez-le. Allez, mes enfants, allez. Alors? Ça y est, c'est fait, brigadier. Tavanti a amené le prisonnier suspect, et moi, j'ai pris le deuxième. Bien. Moi, je vais aller prendre un café. Un double. Votre nom, s'il vous plaît. C'est écrit dessus, vous n'avez qu'à lire si vous savez. Non, les flics ne savent pas, figurez-vous. Sachez que lorsqu'un fonctionnaire de la police n'est pas un alphabète, il est révoqué. Merci, vous pouvez partir. Oh, alors, ça va, Lucas, je parlais bien, écrase un peu panier, en plus de tripote ta sœur, connard. C'est pas de sœur. Allez, à la suivante, allez. Allez, là. Celle-ci, c'est la vôtre. Ouais. Et cette douille-là, c'est celle du projectile qui a tué Petrosi, non? Je voudrais une photo de ça. Un instant. Vous en faites une photo. Mais je vous préviens tout de suite, je ne vous ai pas vu la prendre, la belle ligne. Elle me prétendrait l'avoir perdue. Il se perd une telle quantité de choses. C'est sans importance, ce qui compte le plus, c'est de ne pas perdre la tête. Soyez prudent, on ne l'est jamais trop. Tenez, à développer et à tirer, s'il vous plaît. Le MS-3, c'est bien du calibre 45, hein? En effet. Il se collerait. Ouais. Ça y est? Regardez. Vous la reconnaissez? Eh bien, c'est l'arme qui a servi à tuer Petrosi, non? J'en suis pas certain, mais presque. C'est une arme semblable qui a tué Monica. La photo est prête. Vous êtes bien sûr, vous, que c'est la même arme? Ça fait déjà plus de 8 ans que je travaille dans ce laboratoire de la police. Je suis à 95% sûr, c'est tout. 95. Écoutez, Lavelli, ouais. Gardez pour vous ce que je vais vous confier, sinon Callot me boufferait tout cru. Selon moi, c'est bien cette arme-là avec laquelle ils ont tué votre femme. Sans doute. Et deux cartouches ont été tirées par la même arme. Hein? Oh, regarde mon chou, tous ces gros titres. Sensationnel, hein? Hold up sanglant d'un... Oh, pas un mot sur moi, il donne même pas mon nom. Oh. Ça fait du bruit. Ça me rappelle exactement le cas de la caisse de retraite, sauf qu'au lieu de 200 briques, on a trouvé que 2 souris crevées. Qu'est-ce qu'on a râlé? Un petit peu, tu l'as dit. Je me rappelle encore, bien. Connerie. Dino. Qu'est-ce que tu fais? Je téléphone. À qui? Bah, au groupe. Tout doit paraître normal, non? Mais quel groupe? Bah, le mien, évidemment. Ce serait un peu compliqué à t'expliquer, tu sais. Ah, et pourquoi ça? Bah, on est peut-être trop con, hein? Bah, c'est tout de même, mon vieux. On sait jamais, il comprendra peut-être. Bah, je devais participer à une réunion ce soir. Et si je suis absent, ils vont imaginer je sais pas quoi. Je vais les appeler. Comme ça, ils seront rassurés. Mais il est dingue, ce mec!
Lâche ce téléphone. Oh, mais il veut tous nous faire gauler, ce con-là. Gino ne touchera plus au bigophone. Hein. Il sait ce qui est en jeu. C'est notre sécurité. Je crois pas que le groupe lui en voudra. Hein? Écoute, si tu y touches encore une fois, moi je te fais une grosse tête, parole d'honneur. Bouclez-la, nom de Dieu. C'est fini, hein. Personne ne téléphone, personne ne sort. Ne m'obligez pas à vous le dire deux fois. Je réclame ma part, là. Je suis plus dans le coup. Non, mais tu l'entends. Si tu as besoin d'un chauffeur, tu sais où me trouver. Ça sera naturellement au tarif habituel. Le total inscrit au compteur multiplié par le nombre de voyageurs. Oh, nom de Dieu, il s'est fracassé le crâne. Gino, Gino, je t'en prie, réponds-moi, parle-moi, Gino. Oh. Oh. Dorénavant, le premier qui bronche sera un homme mort. Et c'est moi qui lui réglerai son compte. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il s'agit de modifier nos plans. Bonne nuit, Trésor. Bonne nuit, Tante Brigitte. Brigitte. Oui. Je suis certain que c'est lui, cette fois. J'ai peur, Thomas. J'ai peur que ce ne soit une fois encore le fruit de l'obsession qui ne cesse pas de te ronger. Je pense que tu devrais essayer d'oublier. Ne serait-ce que pour ton fils, déjà. Je suis convaincu que celui qui, il y a 5 ans, a monté le coup de cette banque à Marseille est aussi celui qui a organisé le hold-up de ce matin. Pourquoi? À cause de l'arme? Oui, mais surtout de la méthode. C'est l'évidence. Dans l'affaire de Marseille, ils ont pris un fourgon mortuaire. Cette fois, ils ont utilisé un camion de prise de vue. Thomas, une histoire vieille de 5 ans. Tant de choses se sont passées au cours de ces années. 5 ans, c'est long, regarde les photographies. Pour moi, c'est comme si c'était hier. Il me faut coincer ce type. Oui. Tu seras délivré après ça, peut-être. Je comprends, je crois. Pense qu'André a besoin de toi, Thomas. Il a besoin de son père. Ah, je le sais. Et je sais ce que je te dois. Jamais je ne te remercierai assez. Ah, n'en parlons pas, je t'en prie. Je n'ai fait que mon devoir. Peut-être. Mais je pourrais abuser à la longue, fais attention. À propos de devoir, comment t'en sors-tu depuis que tu as dû quitter l'enseignement? Moi, je m'en sors pas mal du tout, tu sais. Le matin, je suis vendeuse chez un fourreur. Et l'après-midi, je donne des leçons particulières. Je roule sur l'or, Thomas. Aujourd'hui, j'ai eu la visite de Ravagne. Qu'est-ce qu'il voulait? Je ne me l'ai pas dit carrément, mais j'ai compris qu'il avait reçu l'ordre de te suivre comme ton ombre. C'était pourtant un berlificoté. Allô? Ravagne, dans un appartement de la vie Monza, hein? Au 10, il y a des choses bizarres, paraît-il. Il faut vous dépêcher, Calo et moi, nous arrivons. Compris? Oui. Je dois sortir. Qui était-ce? Tiens, tu te souviendras? Oui. Répète. Je loue une voiture, je me rends au chalet, et dès mon arrivée, je m'installe. Tu ne fais rien. Et puis je ne fais rien. Martha, Martha Hayworth, souviens-toi que cet argent est aussi bien à nous qu'à vous, hein? D'ici 2-3 jours, on va aller te rejoindre, j'espère. Ciao. Mm-hmm. Attends. Vas-y.
Il s'agit de récupérer le mot que tu avais eu l'intelligence de laisser chez Tino, patate. Mais est-ce que je pouvais savoir qu'il passerait l'arme à gauche? J'arrivais pas à joindre, il a fait une lettre. Tu te rappelles comment elle était, cette lettre? Attends, c'était une lettre de restaurant. C'était la grappe d'or, je crois. Je lui disais de venir le soir même au billard, qu'on avait besoin d'une bagnole et comment qu'on aurait fait le hold-up en patinette. Mais pour l'instant, la question est de savoir comment récupérer ta lettre. La mère de Tino doit être chez elle. L'argent arrange tout, heureusement, ou presque. Ah, je comprends, tiens. On a tout ce qu'on veut avec des sous. Voilà. Et maintenant, en tenue, messieurs. Papa, tu sais où elle m'emmène aujourd'hui, tante Brigitte? Attends une minute. Au zoo. Quoi, le zoo? C'est pour les gosses. Excuse-moi. Et où tu l'emmènes? Je l'emmène voir un film policier plein de sexe et de violence. Allez, viens, André, on va faire ça. Salut, papa. Salut, fiston. Au revoir. Thomas. Quoi? Tu rentres pour le dîner ce soir? Je sais pas, je te téléphonerai. Oui, je t'en prie. Pourquoi? Pour rien. Et donne-moi plus souvent de tes nouvelles. Appelle-moi chaque fois que tu auras un moment. Hein? Ok. Ciao. Ciao. Salut, patron. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je retourne à l'école primaire. Tu ne savais pas cela? Non, mais le commissaire m'a donné l'ordre de ne pas te lâcher d'une semaine. J'ai dû obéir. Il a même mis une voiture à ma disposition. Tu te rends compte? Allez, viens avec moi. Il faut épargner l'essence de l'État. Tu vas où, comme ça? C'est l'importance. Ouais, juste. Eh, il paraît que les fonctionnaires d'Interpol font des voyages magnifiques. Rio de Janeiro, Los Angeles, Hong Kong, hein? Mm-hmm. On est jeudi aujourd'hui? Oui. Ben, il y a des courses, alors. Oui, oui. Compris? Léonard, viens. Compris, asseyez. Que délicat. Vérifiez que je... Attends, on attend ce... Non! Restez où vous êtes, que personne ne bouge! Les Marseillais! Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as tiré? J'étais forcé de le liquider, il voulait se barrer, le salaud. Ah, on peut aller. Bon, alors nous partons demain, hein? Parfait. Mais à condition de me donner le fric avant. La moitié au moins. Entendu. Vous êtes combien? Deux, la femme et moi. Et quand le premier versement? Demain matin.
Vous ne deviez pas être trois à partir? Si. Mais l'autre a eu un accident. Ah. De la route. Ah. Maintenant, on risque sa vie tous les jours sur les routes. Mieux vaut la mer. Oui, mieux vaut ne pas avoir d'accident. À demain. Hein? Faire du café, je peux. Moi, j'ai une bonne idée. Elle fait le fort. C'est que moi, je l'aime très fort, le café. Voilà. Reviens ici. Arrête. Arrête sans ça, je te descends. Ah 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 ah. Catherine, mon petit, ma chérie, tu n'as rien. Réponds-moi, réponds-moi. Mon petit, Dieu, sois lourd. Oh. Non, chérie. Calibre 9, encore une fois. À mon idée, il a dû filer vers la côte. Ah, il y a des chances. S'il vous plaît. Là, monsieur. Il viendra, tu verras. Je suis certaine qu'il viendra. Mais aussitôt arrivé, poum! Et moi, je serai mort, hein? Vient le misère. De Turquie. De Turquie. C'est curieux. Dites, comment se fait-il qu'un bateau étranger vienne l'accoster ici plutôt que dans un port le long de la côte? Mais parce qu'il avait besoin que certaines réparations soient effectuées. Il a profité de la marée qui remonte jusqu'ici. Bon, quelle réparation? L'installation radio. Il faut qu'ils attendent les pièces de rechange. Bon, non. Vous n'avez rien remarqué de bizarre? Non. Pourquoi? Moi, comme ça. Il y a combien d'hommes à bord? Deux. Tout est normal, alors, d'après vous, en ce qui concerne le misère. Au même titre que d'autres. Oui, oui, inspecteur, sa présence n'a rien du tout d'anormal. Beaucoup de patrons étrangers ou non préfèrent relâcher ici plutôt que sur les côtes. D'ailleurs, le misère, c'est la seconde fois qu'il nous rend visite. Voyez-vous, cet endroit est un petit port bien tranquille. Je crains qu'il ne le soit plus bien longtemps. Qu'est-ce que tu fiches? Tu vois pas, je me fais belle, voyons. Thank you.
Tu te mets le doigt dans l'œil. Tu crois que tu vas aller faire la fiesta? Rien de plus ennuyeux qu'une réunion d'affaires. Non, non, mon cher. Pour Martha, c'est certainement une fête. Je te plais, Trésor. Naturellement, ma belle. Et je te jure que si tu n'étais pas la maîtresse du Marseillais... Et alors, descends-le, à moins que tu n'en aies peur. Moi, je n'ai peur de rien, ni de personne. Et encore bien moins de ton Marseillais. Et voilà, mettez en marche. Thank you.
T'es fier, hein? Fier d'avoir réussi à me coincer, sale flic. Non, tu te trompes, Marseillais. Je ne suis plus un flic, sale ou non. Qu'est-ce que tu fais ?